extrait de leur nouvel album. Quelques dates de leur tournée française. Ils seront le 21 mars au Bataclan à Paris, mais c'est déjà complet. Le 21 mai, ils seront à Marseille, les 23 et 24 mai à Paris, le 27 à Clermont-Ferrand et le 28 mai à Metz. Et un troisième morceau en live tout à l'heure chez Nagui. Également, et une interview aussi. Rappelons que... Cet album vendu dans le monde entier, un album paraît-il enregistré sans alcool, mais bourré de talent, Liam Gallagher. Commencez par expliquer le titre de l'album, parce que c'est une phrase que vous n'avez pas prise au hasard. Standing on the shoulder of the giants. What a title. Le titre, en fait, c'est sur la pièce de deux livres, la nouvelle pièce anglaise. Sur la tranche de la pièce, si vous lisez bien, vous voyez que ces mots sont écrits Standing on the shoulder of the giants. C'est extrait d'un livre de Newton, celui qui avait découvert la gravité, mais c'est pas grave, je pensais que ça avait un rapport avec ça, mais pas du tout. Donc c'est sur la pièce alors, c'est l'argent. Oui, mais c'est effectivement Newton qui faisait un trip en 17e siècle. Alors, ce nouvel album d'Oasis, on lit partout dans vos interviews que c'est un album crucial, essentiel, que ça va vous permettre de revenir au top. D'abord, est-ce que vous avez vraiment le sentiment de ne plus l'avoir été ? C'est-à-dire que non, on est toujours au top depuis que je suis là, à ma connaissance. Je vous dis la phrase précise qui a été dite par votre frère. C'est pas un retour, parce qu'on n'est jamais parti. J'ai pas dit un retour. La phrase précise qu'a dite votre frère, c'est un album crucial car il doit nous permettre de redevenir l'un des plus grands groupes du monde, textuellement. Mais bon, si vous pouvez ne pas être d'accord avec cette phrase aussi. Disons que c'est notre quatrième album. Ok. Alors, le départ de deux de vos membres, Bonnell et Geeksix, sont partis. Est-ce que ça a été pour vous un problème ou plutôt un avantage? C'est-à-dire, ça vous a gêné ou au contraire, ça vous a stimulé? C'était un problème pendant une heure à peu près. Et puis après, on a commencé à s'interroger, puis on a vu que c'était très bien comme ça. C'était plus un problème, au contraire. Il y a toujours quelqu'un qui joue chez Oasis, de toute façon. D'accord. Alors, il y a une chanson, événement, sur cet album, une chanson que vous signez, qui a une drôle d'histoire, Little James. Oui, je l'ai écrit, c'est au sujet du fils de mon épouse. Ça m'a pris un quart d'heure, il était en train de jouer lui-même, de s'amuser. Et puis j'ai écrit des paroles comme ça, et puis c'est descendu tout seul. En un quart d'heure, j'ai écrit la chanson. Mais apparemment, c'est un piège. C'est-à-dire, vous ne vouliez pas que cette chanson soit sur l'album? Elle a été faite à votre insu? Non, j'étais d'accord. Je savais bien qu'elle est terminée. Ils se sont débrouillés pour que l'enregistrement se fasse un peu comme ça. Alors vous partez en tournée et on a déjà donné les dates et on va les redonner ces dates. Il y a surtout le 21 mars à Paris au Bataclan, qui est une petite salle. Ce qui veut donc dire que vous avez l'intention de ne faire que des petites salles. C'est l'envie de faire quoi, du happening, d'être plus proche de votre public. C'est-à-dire que des petites salles au départ, mais ensuite on va revenir à faire des grands concerts quand même. Et sur scène, ça sera plutôt que de cet album-là, ou un mélange de tout, des reprises, des guests, qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, on va faire le même titre quatre fois de suite. ça va tenir à peu près un quart d'heure, hein. Ouais, donc c'est pour ça, il va falloir se battre. L'album est souvent comparé à... Alors je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, mais du Beatles à du Who ou à du Led Zeppelin, c'est le genre de comparaison que vous prenez comme un compliment ou ça vous ennuie de la part des critiques rock? Non, c'était un compliment aussi quand même. C'est une belle référence. Et si vous aviez une racine musicale à revendiquer, vous personnellement, ça serait qui? Une quoi? Racine. Roots. One musical influence. J'aime beaucoup John Lennon, les Beatles, c'est quand même la référence de base. Je sais pas si on peut les dépasser. Ok, merci beaucoup Liam. Dans quelques instants, il y aura live avec Golden Loud qui fait partie de cet album. Ne bougez pas, c'est après ça et après les Robins.